Vous allez consulter les, 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 les Parisiens pour l'arrêt de la, de, de la voiture D'abord, de... euh, peut-être euh, répondre à M. Le Cornuc. Je suis ravie d'avoir le soutien de Nicolas Hulot et même du président de la République sur euh, la politique que je conduis. Et là, il euh, sur de... la politique que je conduis, notamment en matière de baisse euh, de, euh, du trafic et donc de la pollution. Le président lui-même m'ayant dit euh, il y a euh, quelques semaines de cela si tu n'avais pas engagé cette politique volontariste, sans doute que euh, notre attractivité. En aurait aussi souffert parce qu'aujourd'hui, au-delà de la question du climat et de la pollution, une ville attractive dans le monde, c'est aussi une ville qui s'engage résolument euh, sur la question de la pollution qui est le principal problème. Sur la, sur la concertation, peut-être euh, rappeler, euh, puisque tout le monde n'est pas parisien et donc n'a pas suivi euh, les débats euh, internes, euh, que ce projet-là faisait partie euh, de mon projet municipal. Que dès 2014, lorsque je suis arrivée, nous avons engagé une très très large concertation avec euh, pas simplement les Parisiens mais aussi les communes euh, riveraines. Oui mais et pour que, les voitures. Pour et les que voitures, et et à, à l'issue de cette, les là, à de cette concertation, Paris. mais je vais y venir, à l'issue de cette concertation, nous avons fait comme ce que fait d'ailleurs le gouvernement lorsqu'il concerte sur Notre-Dame-des-Landes et qu'il prend la décision, la bonne décision d'ailleurs euh, de euh, ne pas aller dans, dans le sens de la construction de l'aéroport, à un moment donné, il y a le moment du choix. Donc je n'ai rien fait d'autre que D'ailleurs, euh, la méthode utilisée euh, sur euh, les différents grands dossiers euh, écologiques mais que porte le gouvernement. Donc, vu des mesures de taux de pollution, ce qu'on a pu voir, c'était les, les rapports de Air Paris, c'est que, en fait, euh, le fait d'avoir des, des, des voitures qui roulent là au ralenti pendant qu'il y a des voies complètement inoccupées, avec euh, un volet de temps en temps euh, qui passe tout seul, euh, euh, à ce moment-là, on, on, ce qu'on a vu, c'est oui, que les taux de non. pollution, à enfin, cet endroit-là, n'ont non, pas baissé. D'abord, il y a eu, dans une minute, différents, hein, différents euh, rapports. Euh, mais mais juste, non, ce n'est pas cela. Et bien sûr qu'il faut évaluer. Et nous avons mis en place un comité d'évaluation avec le préfet de police. Et les données issues de ce comité euh, d'évaluation sont celles qui font foi. Et vous savez, il faut euh, bien sûr un peu de temps. Mais d'ores et déjà, nous avons des résultats extrêmement intéressants. Et sur la circulation, mais j'ai décidé, puisque nous sommes en train de voter le plan climat euh, de Paris, c'est-à-dire toutes ces mesures euh, qui prévoient l'adaptation de Paris à. Euh, 2024, vous 2030 et 2040, invos. nous allons faire une de grande grand. votation nous. citoyenne. Une nous allons nous interrompre citoyenne. quelques instants, à Anne Hidalgo, et puis on se retrouve tout de suite avec vous. Mmh. Restez avec vous. Retour avec notre invitée, Anne Hidalgo, la maire de Paris en direct sur TV5 Monde avec RFI et le journal Le Monde. Christophe, une autre question sur la euh, Anne Hidalgo, est-ce que <coughs> maintenant euh, Paris ne peut pas N'existe pas en dehors de son environnement, euh, on parle du Grand Paris, on a l'impression que les décisions concernant la circulation ne sont pas spécialement concertées avec euh, Valérie Pécresse qui, elle, dirige la région. Est-ce que. Euh, euh, vous, euh, comment dire Est-ce qu'on ne peut pas arriver à une sorte de concertation où, lorsqu'une annonce est faite, elle a été prise en concertation avec l'autre instance, puisque ça impacte directement les communes de, de proche banlieue, qui, elles, dépendent de, de la région en fait, heureusement que depuis déjà plusieurs années, euh, Paris travaille en concertation avec les communes euh, autour d'elle, et que nous avons d'ailleurs une institution qui s'appelle euh, le, le Grand Paris, la métropole du Grand Paris, euh, au sein de laquelle nous travaillons avec euh, Patrick Collier, avec des maires de gauche, de droite, Ce sont les maires. Hein, qui non, mais sont, sur la question par exemple des voies sur berge, sont... on n'a pas l'impression qu'il y ait une discussion. La sur question, la de, question euh, des voies sur berge est une question. personne qui venait de la banlieue. La, la question des voies sur berge est une question qui a été euh, décidée à Paris par les Parisiens, ça a été porté dans mon projet, et nous l'avons travaillé avec nos voisins, la France, par et nous, nous l'avons juste... travaillé, oui, mais c'est aussi une autres. ville dans laquelle ouais. vivent des habitants qui ont droit à respirer un air de qualité, et on a aussi le droit... On a aussi le droit d'aller vers des solutions innovantes. Vous imaginez une seconde que moi, en tant que maire de Paris, confronté à des pics de pollution terribles que nous avons eus, qui ont un impact sur la santé des habitants... Euh, extrêmement important. Mais donc un embouteillage fait 2000, réduit le taux de pollution 500 morts bien. par an à Paris lié à la pollution. Oui, mais expliquez-nous qu en quoi un la... embouteillage réduit le taux de pollution. Madame, on va vous donner les chiffres dans quelques non, mais mois sur le a fait mois de janvier sur cette zone. Et non, les, les chiffres que je peux vous donner sur Paris, c'est qu'en 10 ans il y a moins 30% de trafic et moins 30% de pollution et que nous allons continuer parce que ceux qui, ans, essayé, de... ceux qui ont essayé vous verrez, en l'espace, l'année dernière, entre l'année dernière et cette année, c'est moins 4% de pollution et de trafic en moins. Et nous allons continuer. Il n'y a pas une ville au monde, chère madame. Il n'y a pas une ville au monde qui aujourd'hui considère que la question de la pollution ne serait pas liée euh, aux véhicules polluants. Il faut aller vers d'autres mobilités. Mais il n'y a aucun doute là-dessus. Et eh bien, c'est pour ça qu'on parlait de la méthode. Et c'est pour ça que la méthode consiste à poser effectivement les problèmes, à les valider par les habitants, à les discuter à la bonne échelle, Paris et la métropole du Grand Paris. On a un vrai problème. On a un vrai sujet qui est que, contrairement, par exemple, à des agglomérations euh, françaises comme Nantes ou, ou d'autres, euh, les maires ont un levier transport immédiat, c'est-à-dire que euh, le maire d'une ville, grande ville, métropole, régionale, qui décide euh, de fermer ce qu'ils font tous leur centre ville à la circulation automobile polluante, il a en main lui même le levier des transports publics ce que nous n'avons pas, ni moi, ni patricolier au sein de la métropole du grand paris nous sommes effectivement tenus de discuter avec la région île-de-france qui par exemple a refusé a refusé deux choses. Donc il faudrait que vous posiez la question à Valérie Pécresse. Pourquoi a-t-elle refusé de donner la possibilité à la métropole du Grand Paris, pas à la maire de Paris, à la métropole du Grand Paris de mettre en place des aides, des aides financières comme je l'ai fait à Paris, pour permettre aux commerçants, aux artisans de changer de véhicule euh, pour passer du véhicule polluant à des véhicules propres Pourquoi la métropole du Grand Paris n'a-t-elle pas le droit, puisque la région le lui a refusé, de mettre en place des aides alternatives pour les 7 millions d'habitants de la zone dense. Donc il y a un problème. Qui, je l'espère, pourra être résolu dans le cadre de la réforme qu'a entreprise euh, Emmanuel Macron sur euh, le Grand Paris. Lorsque je suis allée le voir, je lui ai dit voilà, la clé, la clé pour la région euh, et pour la métropole, ce sont les transports. Et il faut que ça marche de façon beaucoup plus fluide entre ceux qui sont les opérateurs désignés par la loi, la région, en matière de transport, et, et sont ceux sont qui sont les maires, sur... qui ont besoin d'agir contre la pollution dans leur ville. Donc, j'espère. Qu'on va pouvoir avoir non pas une responsabilité totale directe sur euh, oui. les transports, mais que la métropole du Grand Paris ou Paris puisse avoir, alors qu'on finance énormément, Paris finance 388 millions d'euros pour tous les transports de l'île de France et je n'aurais pas le droit de m'occuper de la vite, pollution hein, dans an, Paris. Oui, mais est-ce que vous n'allez pas trop vite, par exemple, interdire mmh. la voiture euh, dans Paris euh, Diesel, dans un premier temps, puis moteur. Est-ce que les solutions alternatives existent vraiment Vous parlez des transports, mais on sait qu'ils sont vieillissants, ils sont chers. Euh, il y a des difficultés Alors, en ce moment avec le Vélib, avec Autolib, qui eux aussi ont vue de fortes augmenter. D'abord, euh, il y a une urgence climatique. Ceux qui ne l'ont pas compris, ceux qui pensent qu'on a encore euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour agir, se trompent. Vous êtes dans euh, l'urgence. Nous, nous, sommes, nous sommes collectivement Clivement dans l'urgence. Nous avons... 4 ans, à peine 4 mmh. ans pour essayer de réinverser le cours des choses, notamment en matière de pollution et de réchauffement climatique. Regardez très vite ce qui les se passe. particuliers, ils sont déjà sollicités. Alors, ils sont en train, de, là, ils ont dû déjà changer de voiture là pour se mettre aux normes. Dans hein. 12 ans, il faut qu'ils rechangent parce que la norme elle change encore. En fait, est-ce -ce qu'il qu faut euh, c'est ce qu se donner effectivement le bon temps pour l'industrie automobile euh, 13 ans pour l'industrie automobile, c'est bien. Je travaille avec eux. Vous savez, je travaille avec la la Fédération internationale automobile avec Jean Todd. Je travaille avec les grands constructeurs français qui ont compris et étrangers qui ont compris que... Euh, l'enjeu pour les constructeurs demain ce n'est pas simplement de fabriquer des véhicules mais de s'intéresser à la mobilité et la mobilité dans les villes donc nous sommes déjà engagés sur ce chemin-là nous avons euh, à paris paris je parle paris la ville le centre euh, le meilleur réseau de transport au monde mais très sollicité très utilisée, ah, ouais. puisque forcément, si on utilise moins sa voiture, et il n'y a qu'un Parisien sur dix qui va au travail en voiture, il faut connaître ces chiffres. Ouais. Donc, bien sûr qu'il faut mettre beaucoup de moyens sur euh, non seulement les transports existants, mais le Grand Paris. Moi, je, je crois beaucoup au Grand Paris Express, c'est-à-dire à ces euh, lignes de métro qui vont permettre, sur une zone qui est de 7 millions d'habitants quand même, hein, euh, ce cœur dense de l'agglomération d'améliorer la qualité des transports publics parce que ça passe par les transports.